Énorme. Salut tout le monde, ici Sensin sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles. On est en compagnie de CSN qui est sympa de m'accompagner. J'ai l'impression qu'il est tout seul avec moi, hein, puisque Carglass n'est pas resté. Probablement que ça l'intéressait pas plus que ça. Il y avait Domingo aussi, mais il est anglophone, donc il est pas resté non plus. On était sur le point de faire les DLC de Minecraft Story Mode après que Ruben soit décédé sans aucune forme de... Bah on pouvait pas le sauver quoi. Et bien du coup on va y aller, hein, commencer l'épisode 5. T'as commencé, il fait nuit. Déjà. Ah, Slat. J'espère qu'on n'a pas Lucas. J'espère qu'on n'a pas Lucas dans nos pattes. Ah oui, générique. Hein, on est à la fin du jeu. On se retape le générique d'un truc. On a. Je passe derrière l'écran en titre. Pew. Encore un peu et cet Ocelot m'avait vu. Hein. Déplacez-vous à droite pour engager un ennemi. Mais oui, mais je vois pas l'écran. Oh, cette musique, elle déchire. Allez. Oh, cette puissance. Oh, c'était mon choix. Ah, on est passé d'un jeu galère à tuer un zombie à je l'ai tué à la pelle, quoi. Nouvelle bande son. Attendez, juste baisse un tout petit peu le son. Mais voilà, on a trop la classe. Merci Petra. Avec la participation de Michel Chou. De Dennis Lennart et de Graham Ross. Thanks. Hey Jesse, check this out. À menu. Pretty cool, right? Sauf qu'on peut pas techniquement étrangler un zombie, il peut pas manquer d'air. Bam. Trop classe. Trop classe. Je baisse encore un tout petit peu le son, je l'avais monté pour le générique, mais en vrai là il est trop fort. Voilà. Top là. Animation, j'ai fraisseur. C'est nous qui nous fatiguons, hein. Ça nous combien de temps avec ce truc. Laisse-moi deviner, sans regarder. Exactement. Eh ben, GG Annabelle, musique super. Et Lucas ne traîne pas avec nous. Oui. Oui, bon sang, oui. On n'a pas Lucas dans les pattes. Alors. C'est parti pour le loot. Est-ce que dans cette phase, on pourrait avoir Lucas avec nous et que j'ai tellement envoyé chier qu'il n'est pas avec nous? Ça, je veux vraiment savoir. Je veux chercher sur internet pour savoir, pas maintenant, parce que là on est au milieu d'un épisode, mais je veux vraiment savoir si on aurait pu avoir Lucas avec nous, mais que je l'ai tellement envoyé chier que du coup il est pas là. Parce que si c'est le cas, je dis oui en fait. Et là, tu te rends compte que tu as tué Lucas sans faire exprès. Alors. Elle a l'air de s'ennuyer. Et si j'utilisais ce levier? Hey, it's working. Oh, wait. No, it's not. Never mind. Et tiens, bon, c'est pas grave, on va faire celui-là là-bas alors. Locked again. Ah. Ok. Bon, bah j'imagine que c'est le levier là-bas. Tout à droite. Puis après c'est pas celui-là parce que du coup ils vont faire exprès qu'il faut qu'on aille le plus loin possible. Et ensuite ce sera celui que je devant lequel je viens de passer. Je pense que c'est ça l'énigme. Donc c'est celui-là en premier. Non, c'est pas celui-là. Non, il l'a regardé mais en vrai c'est pour m'induire en erreur je pense. À mon avis c'est le suivant.
Autant pour moi, hein. Ok, non, le jeu, il t'aide, hein. Il te guide, hein. Droite, milieu, gauche, hein. Il suffisait de faire dans le sens de la lecture. Enfin, inverse techniquement, mais le sens de la lecture du jeu, parce que le jeu m'a mis à droite en premier. Bon, et ben c'est parti. Gameplay incroyable, hein. C'est de ça que je parle quand je dis gameplay incroyable. C'est bon, bah, c'est techniquement pas la phase la plus folle du monde. Et si on parlait aux gens un peu pour voir. Who's Petra? Kidding. Très amusant. T'en penses quoi de ce temple? Thoughts on this place? I think I'd rather be in a straight fight than doing all this switch-pulling stuff. But I'm glad Ivor's intel about this place was good. Comment tu te sens? So, how are you feeling lately? Memory's all back, as far as I can tell. Now I'm just trying to get used to having teammates and people who worry about me. It's pretty new for me. It's nice though. Il y a pas les fins des phrases, elle a dit, mais c'est plutôt agréable. What do you think Ivor knew about this place? Ah, wanna be famous. That guy's read like a million books and traveled all over the world. He probably starts to learn a thing or two about a thing or two. Okay, I'm gonna keep trying to solve this. Bon, parlons un petit peu aux autres. Hey Olivia. Yeah. T'as pris les choses au trésor? Having a good time hunting for treasure? If you had asked me a couple of months ago, I would never have thought I would like all this adventuring and treasure hunting stuff. But this has actually been a really good time. And I've been getting lots of great stuff to build with. Hmm. So what kind of treasure do you hope we find in here? Well, I've been working on a build that could use another couple dispensers. But some cocoa beans would be cool too. Hmm. Any ideas for how to fix this? Well, these channels of lava are blocked in strategic locations by those sticky pistons. Unblock them, and I'm guessing something cool will happen. Il y a des chances. Okay, I'm gonna figure this out. Never doubted you for a minute. Il y a des chances. Il est où Axel? Je vais aussi lui parler. Il a l'air démoralisé, lui. What you need, buddy? Les aventures sont géniales, hein. Yeah, it's pretty sweet. I was worried I wouldn't be cool enough or smart enough or whatever enough to be in the Order of the Stone. Thanks for always believing in me, buddy. Je t'en prie. You know it. Ton avis sur le problème? What do you think of the situation? I don't know about the situation. I kind of do more blowing stuff up. Hmm. Un Magnus en puissance, quoi. Someone to do stuff like that. I'm totally your guy. So, what kind of loot you think we're gonna find in here? Oh, super loot. Well, I want to make a room with an emerald floor, right? Who doesn't? I'm like 4 emeralds away, so getting some emeralds would be pretty sweet. Okay, I'm gonna keep working on this. Sounds good, dude. Est-ce que je l'ai activé celui-là? Non, je l'ai pas réactivé, d'accord. Bon, bon, on va l'activer alors. C'est parti. J'étais curieux de savoir ce que chacun avait à nous dire. Après tout, on est au début du jeu, donc il y a forcément beaucoup de dialogue. Oh. Ah, mais celui-là, il est resté activé, d'accord. Bon, on va réactiver celui-là alors. Now we're getting somewhere. Il n'y a plus qu'à aller activer l'autre. C'est assez stylé comme mécanique de porte en vrai. T'es toujours là, CSM? Ah! Ça s'ouvre. Attends. L'escalier est en bois. Je serais désolé si le sol n'avait pas ouvert dans un dark, creepy passageway. This kind of reminds me of when we first found the Order's temple. Ouais, je me demandais combien de temps tu mettrais. We were such a scared bunch of noobs back then. Hey, I wasn't scared. No. Then who was it that was yelling, "Help me, help me, the dispensers are trying to kill me!" Ha! Yeah, I had no idea what we were getting into. Hilarious. And to think, that was just the beginning. Yeah, and that was before we'd fought Wither Storms, hung out with Enderman, reunited the Order. Contraint avec les Endermen. So crazy. Bon, quels sont les super loots qui nous attendent?
Bon, je le sais, hein. Techniquement, en fait, je l'avais déjà expliqué, mais j'avais fini tout le 1 et une bonne partie du 2. J'ai juste jamais fini le 2. Donc, non, aucun problème. J'ai parti chercher un truc à manger et j'espère que c'était bon. On a le choix. Et bah, celui-là. J'ai voulu un gâteau dans la cabane des anciens et que j'étais super jaloux. Mais je l'ai partagé. Il n'y a rien de mieux que les gâteaux, je l'ai trouvé, je le garde. Hey, if you want it, it's all you. Oh man, oh man, oh man, thank you. Il est super, il a l'air super bon ton gâteau. Ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais avoir un gâteau comme ça. Oh là là. A pumpkin, not bad. I suppose that could be useful if we run into Enderman. And ouais. Looks like we've got one more thing in here. It's. Wow. Briquet of Doom. What did you find? What are you guys talking about? Whoa, that's super cool. Ouais. I've never seen flint and steel like that before. Je ne sais pas ce que c'est. With you, Olivia, I have no idea what this is or what it does. It's too strange. I do a burning stuff, right? Effectivement. I mean, but it must do something besides that, right? You could give it a shot and find out. Okay, flint and steel, do your thing. Et ça brûle genre beaucoup. Je suis curieux de voir s'ils réagissent. Bah alors? Bah alors? Bon allez, ça va. Well, I have definitely never seen flint and steel do that before. Yeah. Uh-oh. Point, point, point. Ça spawn des monstres. Looks like some monsters have a death wish. So what's the plan? Yes, me. It seems like a good. C'est pas ce qu'il a dit. N'aime pas la vie. C'est plutôt aime la mort. Il souhaite. Ils font un vœu de mort. Voilà. En gros, voilà. On va les tuer, quoi. Point de vue qui gagne ou de la redstone. I think you mean the warrior whip? Ouais. Warrior whip, go! Come on, Jesse, make it good. You. Énorme! Énorme! C'est trop bien. Du sang. Q! Dans la lave, allez! Ah oui, non mais attends, c'est sur les. Eh oui, c'est l'escalier! Ouais, mais je l'avais dit que c'était une mauvaise idée de les faire en bois. Hein. On peut cramer dans la lave, j'en suis sûr. Si on rate le QT, on se brûle. Et on meurt. Les lianes. Quick, jump. Okay, let's get out of here. On n'a plus qu'à monter. Cave spiders. Why did it have to be cave spiders? Only way out of here is through them, so get ready. Q. Parce que oui, Jesse est un malade mental. J'intériorise. Et puis là, paf, plus de jambes. Ça va écraser une araignée au passage. Yeah.
violence. Come on, dude, let's get you out of here. I tell you guys, doing that never gets old. Woo! Yeah, not too bad. Killing a bunch of monsters, getting sweet treasure. Like that ouais. Flint and steel thing? You gotta try it again. I'd be curious to see it again too. I'm dying to know how it works. Essaye toi-même. I'm good. You can give it a shot though. Des flammes de 3 de haut. Va dans ce donjon. Order of the losers. Yeah, losers. Les losers, ils ont sauvé le monde. Hein. Who let you guys out of your cave? Joke's on you, we don't live in a cave. Shut up, you idiot. Got nothing to say for yourself? That's a first. Je veux pas te faire l'honneur de te répondre. Ocelot, doing here anyway. Il a cru quoi, lui? The Ocelots were Lucas's gang. We ditched that name just like we ditched him. Yeah, we rebranded. Mm-hmm. We're the Blaze Rods now. Blaze Rods! Shut up, Gil. Sorry, boss. Don't do it again. Mm-hmm. Stunned into silence, huh? Thought so. Maya, play it cool. And where's Lucas, huh? The minute the Order decided you were cool... For whatever reason... You wouldn't stop sniffing around you like a tame dog. Pour vous sauver le cul. No. Hey! Il voulait vous sauver. Non, là, je peux pas lui laisser dire ça. Quoi. Lucas left us to risk his neck and save you guys, and this is how you talk about him? You probably think that thing makes you so special. Classic Jesse. You take all the best stuff and never give anyone else a chance. That should have been ours. Bah, le premier arrivé pour vous servir, hein. Yeah! Blaze Rods. Il y avait pas... Il y avait pas ce que j'ai voulu dire. No. Oh, we can totally fight. Hand over the flint and steel, Jesse. Don't make me ask again. You don't get that one. It's supposed to be mine. Haven't you taken enough? With nothing to say? Is the Order of the Stone actually shocked into silence? For once? I'm tired of listening to your jaw flap. You don't touch me. Ok, là il y a un problème. Là on est carrément sur la légitime défense. Hein. Some hero you are, Jesse. Tu te moques de qui? De parce qu'on est 4? Attends, c'est de la légitime défense et genre oh quel héros, vous êtes 4! On se défend parce que tu nous agresses, mec, à un moment donné. Fine. What hope do we have when heroes like you are throwing your weight around like this? Attends, c'est pas nous qui jouons les gros bras, hein. N'inverse pas les rôles, hein. N'inverse pas les rôles, hein. Blaze Rod! I told you to shut up! Look out, Jesse. I don't remember him being that angry before. Ça n'a pas été très dur de leur faire peur. Wow, they scared easy, didn't they? Not easy enough for my taste. We should be careful. He seems different, scarier. Man, and all because he wanted that flint and steel. What are you gonna do with it? Ivor's the one that told us about this. Je demande à Ivor. He might know something about it. Hopefully, Ivor can tell us more about it. Voilà. Eh bien, c'était une petite chasse au trésor bien sympathique. Je sais que ça fait un épisode un petit peu court, mais honnêtement, je trouve que c'est une très bonne fin. Du coup, ben voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. On a donné un gâteau à Alex, on a Axel, on s'est défendu en tant que légitime défense et on s'est fait accuser de gros bras. Et on a trouvé un super stuff. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, bye.